Eh bien, yo les potes, c'est OverCraftFR, j'espère que vous allez bien, en tout cas ça super. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, sur Minecraft. Aujourd'hui, on se retrouve pour un loup-garou UHC où je suis assassin. Donc oui, ça fait déjà deux vidéos assassin, mais bon, c'est aléatoire, c'est pas moi qui choisis. Donc on se retrouve pour une game vraiment intense, vraiment c'était une game vraiment ultra hardcore pour moi. Parce que j'étais solo, et vraiment pour moi, c'était vraiment avec Carnage la meilleure game que j'ai fait. Donc je vous laisse en profiter. Pour le moment, les meilleures games que je fais, c'est celles quand je suis assassin. J'aimerais bien être plus souvent assassin. Mais bon, voilà. Donc là, je suis en train de m'enchanter. J'ai zéro info pour le moment, du coup, hein, on débute. Donc je me suis éloigné pour aller prendre mon stuff. Et du coup, là, j'ai une tranche en 4, arc power 3 et un plastron P3. Bon, du coup, je vais un petit peu passer ce passage, sinon ça va être trop long. Et du coup, encore merci les abonnés, ça monte hyper vite en ce moment, donc je vous remercie énormément. Du coup, je suis de retour du voyage, hein. Du coup, tout va bien, je vais reprendre les vidéos. Bon, évidemment, je dis, il y en aura des vidéos, mais il y a la LG saison 3 qui est postée le 11 juillet. Donc si vous voyez pas trop de vidéos en ce moment, c'est totalement normal, c'est parce que je me tryhard un petit peu pour m'améliorer. Et justement là on était en LG et du coup j'étais en train de m'entraîner pour justement cette game. Vraiment parce que j'ai vraiment envie de gagner et de pas avoir un rôle solo. Mais bon, avec Rekil on s'est promis que si un de nous deux était infect, on s'infectait, voilà. Bref, bon je vous laisse avec la vidéo et sur ce, bonne vidéo. Alors bonjour à tous, alors mais les gars je suis dégoûté, ça a pas tourné, heureusement on n'a pas encore fini le PVP. Je vous explique ce qui se passe, je suis assassin, d'accord. Et Rekil il est pyromane, donc si je le sais c'est que en début de game il a tiré avec, enfin il a pas tiré, il a attaqué un Enderman avec son épée Fire Aspect. Draco il est voleur parce que par déduction des autres rôles. Ewan il est petite fille parce qu'on l'a pas vu la nuit et j'ai vu ses particules. Gloobix, il est infect pierre des loups d'après tout le monde, et du coup par déduction il l'est. Végéto, il est sorcière parce qu'il m'a. Je lui ai dit, ben t'es quoi, ça va bien d'être sorcière, un truc au pif, hein, je lui ai dit. Et il m'a dit légèrement, donc je sais qu'il est sorcière. Donc on a tous les rôles, voilà. Et moi je suis assassin. Avec Rekil, j'aimerais bien faire une alliance avec lui parce que vraiment on est dans la merde. Parce qu'avec Ewan, il nous a cramé. Enfin, tout le monde nous a cramé en fait. Enfin. Tout le monde a cramé mon Rekil en fait, ça c'est ultra relou. Tout le monde nous a cramé parce que tout le monde dit ouais, Overcraft il est assassin, Rekil il est pyromane. Moi ils ont pas de preuve concrète, moi leur preuve c'est des déductions et pour Rekil c'était le Fire Aspect en fait. Donc on est un petit peu dans la merde, du coup on songe à faire une alliance parce que sinon on va se faire défoncer. Par contre, il y a Globix, par contre, il infecte. Il y a encore le couple, oui les gars, il y a le couple, par contre, je pense savoir qui est le couple. Si, moi je pense que Rekil peut bien tenter le retournement de situation. Pour moi en fait il y a deux possibilités, le couple. Ewan il est pas en couple, ça c'est sûr parce qu'il est détendu. D'accord. Moi je suis pas en couple. Ça élimine déjà deux joueurs. Pour moi c'est soit Draco et Ewan. Enfin pour moi c'est soit Draco et Végéto. Soit Rekil et Gloobix. Parce que Rekil et Gloobix. Rekil, je lui ai dit bon Gloobix il est peut-être en couple avec Ewan. Je dis ça parce que je le croyais parce qu'ils restaient tout le temps ensemble. Ensuite, il y a Rekil qui me dit non, non, Gloobix il a l'air détendu. Et je lui ai dit, bon, et toi t'es en couple Il me dit non, non, je lui ai dit voilà, il a dit voilà. Bon, ça évidemment, on peut pas le reprocher. Non, je veux. Mais en vrai, si les deux se défendent autant, Gloobix et Rekil, c'est qu'ils sont peut-être en couple. Donc c'est pour ça que j'ai peur de faire une alliance avec Rekil. C'est qu'au dernier moment, et là on fait alliance et là t'as Rekil qui me saute par dessus, qui va me défoncer parce qu'il est pas fort en PVP. Ça fait un petit peu bobo quoi. Donc j'ai pas trop envie. Moi je me dis go faire alliance avec le Vovo, enfin le voleur, jusqu'à qu'il se transforme, après on se laisse en fait. Pour moi c'est faire alliance avec Draco au point. Si je fais alliance avec le Pyro c'est mort. S'il est jamais allé en couple. Ah oui, mais Draco il est peut-être en couple aussi. Oh le bordel. Mais quand je l'ai parlé et je lui ai dit bon t'es en couple, il m'a dit non je suis pas en couple, c'est drôle, tu te trompes sur toute la ligne. Salut. Ouais. Bon t'es voleur du coup. Juste je veux savoir un truc qui est primordial parce que là ça me fout vraiment le doute. Vraiment, je pense que mon rôle est cramé. Mais juste un truc, je t'attaquerai pas, t'inquiète. Est-ce que c'est toi qui es en couple?
Non. Vraiment? Ouais. Je sais déjà que toi t'es pas en couvre, hein, genre. Moi je pense en fait... que au début moi il y avait deux théories. Soit c'était toi et Draco, soit c'était Gloobix et Ewan, soit c'était Gloobix et Redkill. Moi je trouve que Gloobix et Redkill ils se défendent beaucoup entre eux. Je sais pas si t'es bête ou tu le défends. Mais bon. Tu penses vraiment que c'est qui la petite fille? Je sais pas. C'est mais bizarre parce que j'ai vu tout le monde sauf Ewan la nuit. Mais mec, Ewan il se fait passer pour la petite fille, il est méchant. Mais il triche alors. Parce que vraiment il a des pouvoirs d'invisibilité. Je l'ai vu en plus. Non mec, en fait le mec il se barre avant la nuit pour se faire passer pour la petite fille. Mais pourquoi après... quand j'ai TP tout le monde, il était invisible avec une popo, vous voyez, c'est parti. En fait il était AFK et il était dans un corps, je crois que t'as confondu. Alors du coup t'es l'infect. Mais mec, c'est toi ou Draco l'infect? Parce que c'est impossible à deviner. Ah. Bon bah... Toi t'es voleur. T'es volant, t'es infect. Si t'es infect, je voulais juste tenter. De toute façon, j'ai rien à perdre. J'ai rien à perdre. Dans tous les cas, tout le monde l'aurait fait à ma place. Si t'es infect, est-ce que tu peux m'infecter? Bah, je pourrais pas t'infecter. Bah, t'es pas infect, c'est ça? Ah bah, t'es volant. Ah, ok, d'accord. Oublie pas que tu peux voler le couple, hein. Justement, en fait, là, ensemble, j'essaie de faire des recherches sur les groupes, je suis... Tu penses que c'est qui le couple? Je sais pas. Moi, je pense avoir deviné. Pour moi, c'est Ewan et Draco, parce que quand j'ai parlé à Draco, il m'a dit « Non, mais t'es pas au courant que Ewan, c'est l'infect et je lui ai dit « Je sais pas. » Et quand je parle à Ewan, il avait l'air d'ignorer le sujet, genre de dire... non, moi je fais confiance en Draco, tout ça. Et enfin, j'ai l'impression que les deux se font confiance en fait. Je lui ai dit, bon, ça va, petit infect? Il me dit, t'es au courant que c'est Ewan en fait? Je lui dis, sérieux? Il me dit, Draco, c'est le. Après avoir parlé avec Draco, je me suis rendu compte que Draco, il était beaucoup sur la défensive et qu'il disait que t'étais infect et que c'était lui la petite fille. Et que toi, tu faisais semblant de te cacher pour te faire passer pour elle. Le truc que je trouve chelou, c'est juste un truc, si t'es infect, j'ai rien à perdre dans tous les cas, c'est bon, je m'en fous, ma gamme, elle est à chier, ma gamme, hein, je te le dis clairement. Est-ce que... Ouais. Ah, ok. Moi, j'ai une vie de merde dans tous les cas. Ok, bah mec, tu veux... Je suis cramé, Ouais, je veux bien. C'est, bah, ma seule, c'est ma seule solution, mec, pour gagner. Hein. Mec, viens dans ma Sachant, dans tous les cas, mec... Tu gagnes pas un allié pas très fort, j'ai un puissance 4, une T4 et un P3 sur le plastron. Piche. Ça fait mal. Hein. Effectivement. Dans tous les cas, si tu me tues et que t'es pas infect, tant pis de toute façon. Non, je suis infect, mais... La seule preuve que je veux, c'est que tu montes tes popos de force avant de me tuer, sinon je gagne pas. Ok, prépare-t-il nous attends. Moi, je suis à côté de Végéto. Je suis en dessous du spawn pile. Moi je suis loin du spawn pour faire semblant que j'ai TP cette fille. Ah! C'est mieux. Bon, tiens, je fais un TP général. Ah, mais salut. Salut. Je me casse dans un coin, tu me vois? Oui, je te suis. On va dans un coin, tu me tues. De toute façon, même si t'es pas infect, tant pis, hein, dans tous les cas. Dans tous les cas, mec, je déteste ce rôle en fait. Je voulais faire le mec excité et tout, mais. C'était ma technique. Tu viens? Ouais. L'orange nous suit, par contre, c'est chiant. C'est qui l'orange? Mais j'ai pas. Ouais. À
Attends, je vais le nommer, je vais lui dire de bouger. Surtout, ouais, je suis d'accord que T-Rex il a entendu la conversation alors qu'il T-Rex était pas parti. Vas-y, je reviens. T-Rex, il a dit, tout petit passe-monde déjà, T-Rex il a entendu la conversation. Non, mais en fait, il confond reptile et T-Rex. Non, mais il confond T-Rex et reptile. Je sais, j'ai vas-y, tue-moi. Retire ton sauvage, je te montre les propos. Voilà, il est là. Vas-y. Retire-moi ton stuff, c'est plus rapide. Et ça me... Ouais, mais j'ai plus de place dans l'inventaire, attends. De toute façon, si tu me tues, bien joué de ta part, hein, pour être tant. Mais vraiment, cette game, elle me casse les couilles. Du coup, t'es quoi? T'es assassin? Je suis Roman. Assassin. Eh, c'est ce que je pensais. Attends, y'a bien un conserve. Je viens de le mettre, c'est mis. Infecté? Point d'interrogation. T'es infecté. Nickel. Je vais faire croire que je me suis fait res par la sorcière. Dac. Oh, trop bien. Oh là là, juste. Red, réponds, s'il te plaît. Non, c'est moi qu'il faut des mutes. Red, s'il te plaît, des mutes. Rire. J'en peux plus, mec, je suis mort. Oh, je suis mort. Qu'est-ce qui vient de se passer? J'en peux plus. Mec, non, mais je suis mort de rire. Je meurs, la sorcière me raise. What? T'as bien compris mon rôle pourtant. Mais je comprends pas. Puisque je savais que c'était Végéto, je suis allé lui parler. Je lui ai dit, bon, je suis mort, est-ce que tu veux me raise? Il m'a dit, bon, vas-y, parce que t'es mon pote, oui. Mec, c'est trop bien. La vie de moi par contre je suis pas infecté, vraiment. Je sais pas ce qui s'est passé, mec. Il y a Ewan, il me prend dans un coin, il me saute. Hein? Mec, j'étais isolé avec lui et là t'as Ewan qui me saute dessus. Donc je meurs, je me dis oh sa mère, je dis au cas où j'ai parlé à la Soso, et là je lui dis bon, je suis mort, est-ce que tu me restes? Dans ma tête je m'étais dit oh c'est bon, c'est mort, et là elle me dit bon, puisque t'es mon pote, on va dire que oui. Même si on n'est pas dans des camps, ça m'attaque. Mais c'est chiant là. Bah, c'est d'accord, je te suis. Oh, t'es le meilleur, mec. Really, nigga? T'inquiète. À la fin. D'accord, bah. Je t'en passe combien des gapples? J'en ai 10. Dans 3, vas-y. Même une en plus parce que t'es trop sympa. Attends, je me mets juste en invisible temps. Chier, ça t'apprendra. En plus maintenant, puisqu'en fait, je venais à peine de découvrir que t'étais en couple avec Gloobix. Je vais pas en couple avec lui, quoi. Si, mec, c'est sûr à 100%. Je vais pas en couple avec lui, quoi. Pourquoi? Pourquoi tu es pyro? Attends, écoute, pourquoi tu fais pyro? Pourquoi tu fais une alliance avec le pyro alors que... Enfin, pourquoi t'es pyro et tu fais alliance? Non, mais je sais que t'es pyro, pardon. Mais pourquoi je fais une alliance avec lui parce que voilà, quoi. Mais t'as pas le droit. Moi, je fais alliance avec personne. Mais en fait, je fais pas d'alliance. Je l'ai laissé buter, c'est juste ça. Ouais, tu l'as laissé buter. Vous m'avez sauté à deux dessus, mec. Mais je l'ai même pas tapé. Je t'ai même pas tapé, sinon moi t'aurais tiré. Mec, me bute pas, mec, s'il te plaît. Juste pour une fois que j'ai de la chance. Laisse-moi tranquille, quoi. Tire, c'est bon. Non mais mec, c'est chiant là, je suis tout seul et en plus il s'est cassé dès que je l'ai vu. Je sais pas pourquoi. Attention, il y a Végéto. Mec, je te passe Ah merde, du coup attends, je me les regive, j'en avais. J'ai 3 perles, j'ai qu'un Enderman. Végéto, tu me pas. Il y a plus de confiance en moi, je sais pas pourquoi. C'est genre il me croit que je suis la petite fille mais que j'ai plus de pression dans les unités. Tiens, c'est quoi ce débile? Il m'a dit, Végéto,
il m'a dit 100% confiance en toi parce que je pense que t'es petite fille. Après je lui ai dit bah, pourquoi je suis pas invisible. Il m'a dit parce que t'as plus de potion d'invisibilité. Du coup il pense que je suis petite fille mais sans potion d'invisibilité. Du coup il a 100% confiance en moi. Donc tu pas Végéto, il est gentil de m'avoir assisté. Non mais en fait il est de une il est gentil et de deux il pense qu'on est gentil. Du bah coup, oui. Faut pas le buter. Mais du coup mec, on reste ensemble et go sauter Gloobix et Redkill ou Redkill. Si un des deux, enfin go sauter sur Gloobix au pire. Et si Gloobix, quand on le tue, il y a plus de reste dans la game, il peut pas être 13. Quand il meurt, s'il est pas en couple, je sais qui c'est le couple. S'il est pas en couple, pour moi Végéto il est en couple avec Draco. En vrai, j'avoue que Végéto là, il me nique ta mère, ça. Mais en vrai, je pense pas Végéto qu'il est en couple parce qu'il m'a quand même raison. Il aurait bien voulu le garder. Après, vu qu'on est potes depuis assez longtemps, je pense que vu qu'il pense, en fait, Végéto, il m'a dit, il pense que t'es un rôle solo et que en fait, du coup, il a dit, s'il est, j'avoue, ça tient à ce que tu sois en couple, parce que si c'est un rôle solo, si il savait que t'étais un rôle solo. Et que t'arrêtes, ça veut dire qu'il est en couple et qu'il aimerait bien, tu vois, que tu l'aides à gagner parce que t'es un rôle solo. Il m'a dit, tu me butes à la fin. Il m'a dit. C'était méchant, tu me butes. Il m'a dit, je veux 3 gaps et tu me butes à la fin. J'en ai même passé 4 parce que vraiment, il était trop sympa. T'en veux un peu? Bah, t'es quoi? J'en ai 5 là, j'ai 5 gaps là. C'est Roland? Attends, t'es quoi? Non, moi je suis assassin, moi. J'ai 2, t'as 2 perles toi. T'en as combien? J'en ai 4. Ah, bon, j'en ai 2, bon, pardon. Vas-y. Tiens. Attends, vaut mieux qu'on s'écarte parce que eux là, j'ai pas. Et pourquoi il a des particules de force, Gloobix? Bon, bah, go sauter Gloobix. J'en drop une dans 3, 2, 1, hop, ça drop. Ici, là. Elle est dans les arbres. Végéto, il va la récupérer. Aide-moi. J'ai peur. Tiens, j'ai drop une gap avec. Attends, mais pourquoi il tire dessus lui? What the hell? Faut que j'ai Gloobix hein. Ouais, il perd. Y'a Redkill. Il est pyro, j'en étais sûr. Qui est Redkill? Non, Redkill est pyro, ouais. T'es où? Oh, t'es là. Oh, y'a Végéto qui nous aide! Mais oui, Végéto il pense qu'on est 100% safe. Parce qu'en fait on peut pas être 100% safe. Il a perdu, ils ont perdu, ça sert à rien pour eux de perdre en fait. Il a pris des dégâts chutes, après il a perdu, ça c'est mal pour lui. Fight toi Végéto, ça sert à rien. Enfin, il met trop cher lui. Non, en même temps il est pyro là. Ouais. Mec j'ai 4 coeurs. T'as 4 coeurs? C'est qui t'attache? C'est Gloobix. T'es où? C'est une flèche. Vers toi. J'ai tué. J'ai joué. Ça dépoie. T'as pas ses gaps? Attends, ses gaps. T'en as combien? T'en as 18. Tiens. Attends, j'en ai 18. 18. Oh, trop bien. Attends. Des mieux que Végéto. Oula. Allô, Végéto. Ouais, j'ai dit quelque chose à chat, c'était mieux sur Warcraft. Overcraft, j'ai fait semblant. Ouais, allô. Voilà, tu m'as compris, genre, mais Végéto, t'es le meilleur. J'ai tué Gloobix, du coup. Attends, est-ce que je suis FK 2 secondes si vous êtes en couple T'es mort? Non, j'ai survécu. T'es où? Je pensais que j'étais mort. Je suis en train de mourir. Putain, je suis en feu, comme dirait Soprano, là. Par contre, je sais pas où t'es. Je suis au marais vers le mid, attends, j'essaye de courir au mid. Cours. Ah, je vois le marais. J'y vais. Mais c'est en train de me fight. Non. T'étais quoi Oui, t'étais en couple ou pas, Végéto? T'étais en couple? Ouais. T'étais en couple? Ouais. Végéto, t'étais en couple avec qui? Ah, t'étais en couple. Tiens, bute-moi, tiens. Non, Ewan! Depuis le début, on avait tout préparé! Non, dommage! Oh, purée!
Les gars, j'ai 10 perles. Les gars, j'ai 10 perles. J'ai 18 cartes. Allez, Tom, fais-le, fais-le. Tu crois, tu crois. Oui, je galerai pour toi, Végéto, t'es meilleur. Allez, tu vas le faire. Non. Si, tu vas le faire. Allez, Tom. Le fight final. Il est intense. J'ai un peu à 4, j'ai un peu 4 force. En vrai, si on va en vrai, si on veut craft, si on veut craft, il gagne, j'aurais gagné indirectement. Allez! Voilà, Tom! Oh, comme ça, c'est ça! Oui! 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 Merci. Est-ce que t'as mon... Est-ce que vous avez un arc n'importe lequel. J'ai un arc mais il est pas puissance. Charge ça. C'est... Oh c'est bon, j'ai mon puissance 4, vous inquiétez pas. C'est bon. Vas-y Tom, tu peux pas bien. Mais c'est en fait, Tom il a fait une défaite. L'oreille fighting, c'est toi. Je sais pas pourquoi il y a... Je sais pas pourquoi vous faites une finale alors que c'est très bien gagné. Et là il me tue. Mais c'est pas possible, c'est pas possible. C'est tellement mec, la pire fin de l'élu. Je t'assure que là, pour ça, c'est un jeu. Genre là où tu te fais tuer à la toute fin alors que tu fais un jeu. Mec, tu m'as mis deux périmètres et tu m'as mis des ceintures avec le port 4. Mais pour en mettre pour la règle du pouvoir 2 comme la comme la game. Comme les. Bah c'est le jeu parce que normalement il a ça, l'assassin. Mais ouais, mais sauf que normalement, tu sais qu'on prend plus de dégâts dans Minecraft PSF et dans Minecraft écoute, est-ce qu'on peut y régler ça? Non, Tom, si tu veux, j'ai à 300 oui, comme mon épée. Bah alors, merde, attends, j'ai plus mon épée. Attends, j'ai jeté mon épée. Tiens, je te la donne. Attends, elle est où mon épée? Elle est en bas, j'ai en bas là. Excusez-moi, je peux refight, c'est bon. Par contre, j'ai pas les ouvrages de mon. Bon, on m'a tué, je prends ma pompe de force là. C'est le jour. Touché. Est-ce que je te fais mal, Draco? Ah, mec, déjà, tu sais, je suis sûr. Oh la pierre en fail. Pourquoi tu la fais en pour mettre du pouvoir 2 comme la game. Oui, sauf que là, j'étais assassin. Oui, mais là, pour mettre. Oui, mais bon, sur le coup, j'ai pas pensé, c'est pas grave. De toute façon, c'est les gars, soyez indulgents, c'est la première game sur cette map, on n'a pas de fou devant. Ouais, c'est comme une game des choses en fait. C'est comme une game des choses, les gars, c'est où on règle les bugs et tout ça. Regarde, là tu mets une troisième flèche, il est mort. Je t'assure, tu mets une troisième flèche, il est mort. Oh, vas-y, on fait un rebondi, Splinter. Tire dans mon bouclier, ça rebondit sur Draco. Attends, ça se résout. Genre j'avais le boulot, mec, j'avais le bouclier en main, il tire dans le bouclier, ça rebondissait, ça touchait Draco. MDR. Le fight final, entre les deux joueurs français, les deux joueurs d'origine francophone. Draco Arc, PS. Les gars, mais comment concentrer, les gars, c'est chaud là. Contre Overcraft de la France. Et tu veux qu'on enlève le bulbe pour la finale. Allez, super, en plus c'est très bleu. Joe, t'es contre Draco. Ah, mais il est PS. Au pire, tu peux faire comme Jimmy Boy, petite fille insupportable. Ah oui. Te mettre en invisible. Hop, premier épée, mettre un coup en fond de ta main. Bon, arrête de faire des commentaires, là, ça devient relou. J'avoue. Ça fait 15 minutes que tu dis « Ah, c'est chiant pour 4 !» Eh ben cool, c'est vrai. Mec, on dit normalement, tais-toi parce que normalement je suis censé avoir un port, enfin au moins un port 3 mais flame avec dessus alors que c'est à cause des one, je sais pas. C'est qui qui arrête pas de dire j'ai un port, c'est quoi là? Mec, viens le plus, il sait que c'est nul un port 3 flame par rapport à ton power 4, hein. J'ai zéro dégâts. Hein. Ouais, mais ça flame enfin. Oui, oh, oui, 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 oui. Hey, attendez, cette victoire, je la dédicace à un joueur. Enfin, deux. Je dédicace cette victoire à Ewan et Végéto parce que Ewan m'a infecté et Végéto. Du coup, là, je gagne pour les loups-garous. Les gars, je gagne pour les loups-garous. Mais les gars, je gagne pas pour l'assassin.
Bon bah gars, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager et à commenter. Et sur ce, moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos, deuxième défenseur de l'assassin, et sur ce, moi je vous dis ciao.